Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec la petite Myriam. Yo. Donc aujourd'hui c'est le dernier vlog Ramadan. C'est triste mais c'est comme ça. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire que des pranks à Yacine. On a bien été sérieux tout le mois. On vous a dit des rappels sur l'islam, tout ça et tout. Ça fait trop plaisir. Maintenant aujourd'hui c'est l'heure de faire du sale à Yacine. Je suis plus bronzée que toi en visage. Myriam, regardez, elle a pris ça. Pas mal. Vas-y, dis-nous c'est quoi le premier prank. En fait, là Yacine il est dans son lit et en fait on va lui mettre de l'eau pour voir comme si qu'il avait fait pipi. On va voir c'est quoi sa réaction. Comme s'il avait pissé au lit. Ouais. Myriam, le plan a été réussi, il faut que tu le réveilles, moi je vais me cacher et tu dis en gros qu'il faut qu'il se lève pour qu'on aille faire des courses. Ok. Tu m'emmènes faire des courses, Yacine. Tu dois nous emmener faire des courses. Dégage. Tu dois nous emmener faire des courses. Fais pas de courses, dégage. S'il te plaît, allez là. Myriam, va-t'en, laisse-moi tranquille. Mais lève-toi. Dégage. Puis maman nous a dit... Ah, j'ai pété un cap, je suis fatigué, j'ai pas dormi de la nuit, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Oui, mais maman, elle a dit que tu dois nous emmener faire les courses. A few moments later. Je dors. Lève-toi. Sors de ma chambre, lève-toi. Je dors. Lève-toi. Dégage, je dors. Myriam, je vais me lever, mais laisse-moi 5 minutes, va là-bas, j'arrive. C'est quoi ça? Je suis devenu un pisseux. J'ai eu une idée, Younes et Myriam. En gros, c'est bientôt la Eid. Et pour la Eid, moi et Younes, on va essayer de mettre un peu d'argent chacun et on va acheter des affaires pour la Eid, pour les abonnés. Et comme ça, on va faire une vidéo, on va faire gagner des affaires pour la Eid à des abonnés. Ça n'a jamais été fait sur YouTube. Mais t'as rien à nous dire ce matin, qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es réveillé? Non. Ah ouais, t'es sûr? C'est passé quoi? Non, rien. Ça n'a rien passé. Donc là, on va au magasin, j'ai des affaires pour la Eid, pour les abonnés. Let's go. Bon, allez, Younes, on y va faire plaisir un peu aux abonnés là. Vas-y, pour la Eid, ça fait plaisir. Vas-y, va repérer, j'arrive dans 5 minutes. Tu vas où? Je vais juste appeler quelqu'un vite fait. J'arrive, t'inquiète. Dépêche-toi. Hein. Ouais, j'arrive. Crois vraiment qu'on va payer, Myriam, en plein milieu du magasin, tu diras que t'as mal à la tête, on va dans la voiture, on laisse tout payer dès qu'il a tout dans le panier, ok? Il y a une queue de ouf, même soir. Pour les abonnés, tu prends quoi? Je pense qu'on va prendre ça, c'est les ballons de notre enfance, Younes. Ouais, vas-y, go. Rappelle de ces ballons là qu'on les cagne. On prend quelle couleur les rails pour les abonnés? Déjà celui-là c'est sûr. Celui-là. Ah t'en prends deux? Bah c'est un pour 20 euros, deux pour 30 euros. Bah voilà. En vrai ouais, prends deux, t'as raison. Prends celui-là. Prends le bleu et le jaune. Celui-là? Ouais c'est carré, 30 euros. Là-bas il y a des paires de baskets aussi. Là-bas il y a Des maillots de foot. Oh ils vont être trop contents les abonnés. Yacine, on va les mettre trop bien. T'aurais dû prendre un chariot ou un sac. D'ailleurs il y a des paires de baskets là. Elles sont trop belles. En fait c'est pas trop cher, ouais, mais c'est un peu cher quand même. Non je pense qu'il y a des baskets un peu moins chers, viens on avance. On arrive au maillot de foot les gars, viens on leur prend l'équipe de France. L'équipe de France est la base. Pourquoi pas l'équipe de France? Prendre des clubs je pense. Des clubs? Parce que là regardez, il y a des super beaux maillots pour les abonnés. Hein. On vient de découvrir une pépite les gars avec Yacine. Attends, dis rien. Vous voyez ce maillot là? Je vous laisse 10 secondes pour mettre le prix en commentaire. C'est grave pas cher. Ah mais c'est du S. Hey Younes. Mais on va le prendre frère. Ouais. Tu veux m'acheter des rollers? On va voir. Les gars, alors dis-leur le prix, s'il te plaît, les gens ils vont péter un câble. Ou alors un skateboard. Au lieu de 90 euros, il fait 18 euros. 18 euros, les gars, 18 euros. Vas-y, prends direct, prends le S. Ah, mais il est grand. Hein. Alors un skateboard. Non, mais pour Enzo et tout, ça va passer. Skateboard. Comment ça, un skateboard? T'es une abonnée, toi ou pas? Oui. Non, c'est pour les abonnés aujourd'hui. Ah, on a rencontré un petit frérot, tu t'appelles comment? Najib. Tu fais du foot? Est-ce que tu sais faire un tour du monde? C'est ce que j'allais te demander. Tu sais faire quelque chose? Tu sais jongler? Tu fais le ramadan? Ouais, c'est bien, c'est déjà bien. Elle a dit, c'est rien faire. Mais tu veux passer une dédicace ou pas, Najib? Non. Même pas? Rien du tout. Tu veux quoi? Rien. Rien? D'accord. De rien, mon pote. Najib, il est bon, trop alors, des rouleurs. T'es pas une abonnée? Si. Bon, c'est bon pour les maillots, Yacine, on a ce qu'il faut. Au basket avec Yacine. Je suis une abonnée. T'as dit quoi? Je suis une abonnée. T'es une abonnée? Fais voir ta tête. Myriam, regarde, il y a des baskets pour les abonnés. Elles sont super belles. On prend quoi pour les abonnés? Prends celle-là, regarde, celle-là. Tu vois là, celle-là. On la prend. Demande à Yacine s'il valide. Regarde comment elle est. Elle est trop belle. Franchement, vous avez des goûts de chiottes. On a des goûts de chiottes. Ouais, c'est pas évident. Bon, là, on arrive au maillot.
pour les abonnés, qu'est-ce Reebok, c'est pas trop bien. Ouais. Ah, il y a des Adidas. Non, pas celui-là. Là, les gars, Yassine, il a la caisse derrière là. Myriam, on va attendre quelques secondes et on se barre dans la voiture. Ok, viens, on fait genre, on regarde les ballons et tout. Tiens, tiens, tiens. Cache-toi bien, les gars, Yassine, il est là-bas avec l'abonné. Regardez, Yassine, il est là-bas. On va bientôt se barrer, t'es bientôt prête. Bon, les gars, elle est en train de payer, vas-y, on se casse. Regardez, qu'est-ce que j'ai. Viens, on se casse, en tranquillement. Tranquillement, avance. Elle sent pas bien. Vas-y, avance. Avance, on va dans la voiture. Hey, dans la voiture, tu dis que tu te sens pas bien dans la voiture, ok? Là, on a laissé Yassine payer. Allez, viens, on y va. Ouais, l'esquive, elle est dard, l'esquive. Ça, c'est pour nous punir. Regardez, il y a quoi sur la voiture? T'inquiète, c'est rien, c'est une petite araignée. C'est la phobie des araignées. Regarde, je vous la porte, elle va rien faire. Je peux pas. Vas-y, rentre vers moi, dépêche-toi. Rentre. Enlève-la. Mais je peux pas l'enlever, tu veux qu'elle pique? Attends, va là-bas. C'est bon, elle est partie. Vas-y, go, rentre. Et derrière, il va ranger des affaires. Hey, tu dis que t'as un étourdissement. Fais la malade là. Aïe. Ça va, Myriam? Myriam, ça va? Tu joues à quoi? Ah, rien, Myriam, elle. Tu devais partager l'addition. Myriam, elle avait un étourdissement. Et alors? Myriam, ça va? Ça va pas trop, Myriam. Fais la malade, il arrive. Espèce de sale rat, va. Je suis pas un rat, c'est rien. C'est un vrai rat, c'est grave. Tu prends même pas des nouvelles de ta soeur. Ouais, des nouvelles, arrêtez de mentir, espèce de sale rat. Myriam, ça va, tu vas bien? Ça va mieux? Ah, du coup, la prochaine fois, si tu veux. On vient de recevoir un giga colis. Donc là, c'est un colis très particulier. Parce que là, c'est pas des chaussures ou des trucs comme ça. C'est un colis, en fait, pour la santé. Donc ça, en gros, c'est un miel. Un miel qui contient 7 éléments. Et dans ces 7 éléments, il y a grave des bienfaits. Il y a du miel, il y a de l'huile de nigel, de l'eau de zemzem, des feuilles de séné. Franchement, il y a plein de choses à aller vous raconter. Allez vous renseigner, vous tapez peau des 7 guérisons. Vous allez voir que franchement, c'est un miel de malade mental. Ça, c'est pour l'instant, avec Sofiane, c'est les meilleures dates qu'on a. Ça, c'est Younes qui a commandé. C'est les meilleures dates qu'on a goûté avec Sofiane au monde. Hein. Sugarilla. Finalement, ça s'appelle de l'eau de zemzem. Ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'eau de zemzem? C'est une eau, en fait, elle a des bienfaits incroyables. L'histoire de l'eau de zemzem, c'est quoi? C'est en gros, il y a Abraham qui était dans le désert et ils avaient rien à manger, rien à boire, ni rien. C'était vraiment pas bien pour faire un gros résumé. Hein. Et Dieu, il leur a fait jaillir une source et dans cette source, c'était l'eau de zemzem. Et ça, vous pouvez en retrouver à la Mecque, etc., etc. Et franchement, il y a des bienfaits énormes dans cette eau. Tu vois, et vu qu'on peut pas aller à la Mecque, étant donné qu'il y a le passe vaccinal et tout, c'est pas évident. Du coup, on l'a commandé. Elle est ici. Un peu déçu, on avait commandé des dates à jouer. En gros, c'est des dates. Le prophète Al-Sam, il a dit si t'en manges 7 le matin à jeun, rien ne peut t'atteindre au niveau sorcellerie, etc. Là, on n'a pas de date hajoua. Bah, moi, je leur ferai pas de pub personnellement, je suis un peu déçu. Et ça, Yassine, il vous a dit, c'est pour quand vous êtes malade. C'est super, super, c'est Dieu qui guérit, mais il faut faire des causes. Faut pas rester comme ça à attendre. Non, faut faire des causes. Et parmi les causes, bah, il y a ce miel-là. Bon, regardez comment il est. Je peux l'ouvrir? Ouais, mais faudra bien le refermer après. J'ai déjà mangé ce miel, il y a des petits points et tout. Le goût, il est pas ouf, hein, mais... Je peux le sentir. C'est un bon bienfait pour le corps. Ah, c'est un peu comme du réglisse. Ouais, voilà, c'est un bon bienfait pour le corps. La famille, une chose très très importante, vous qui regardez la vidéo et qui êtes en bonne santé, sachez qu'il y a des gens dans le monde qui sont vraiment pas bien, qui sont souffrants, qui sont malades, etc., etc. Et je vous demande un truc, la famille, c'est de faire des invocations, des deux A au moment où vous allez rompre votre jeûne. Il y a des savants, ils ont dit, les invocations, elles sont exaucées toute la journée, pas forcément au moment du jeûne. Ouais, quand vous voyez la vidéo, faites pause et faites une invocation pour tous les malades du monde, pour que Dieu puisse les guérir et franchement, ça serait super cool de votre part. One hour later. Je voulais faire un cadeau à Yassine. Vu qu'on est gentil, on voulait faire une surprise à Yassine. Mais aujourd'hui, c'est les pranks, donc il n'y aura pas de cadeau. Je vais déballer. Attendez, vite fait, je la fais dormir. Casser la tête, celle-là. En fait, c'est une nouvelle manette spéciale 2022. Que des manettes en ce moment. Regardez, il y a un bracelet. Elle est personnalisable. Elle est super belle, les gars. Full noir. Il y a même un bracelet, un petit porte-clés. Donne-moi ça. Non, s'il te plaît, tu peux me le donner. Oh, porte-clés. Merci. Encore des... À la place, on va lui mettre autre chose, on va aller lui offrir.
Joyeux anniversaire. En plus, c'est bientôt ton anniversaire. On a voulu te faire un cadeau en avant-première. Ouais, c'est quoi, commandé, c'est quoi? C'est quoi? Je sais pas, on a reçu ça et on a dit on va te donner. Une manette? Ah, vu que moi je me suis pris celle-là et. C'est vrai que je te l'ai, en plus je te l'ai squatté. Hein. C'est vrai. Maintenant t'as ta propre manette. Était... En plus la mienne elle était cassée, incroyable. Félicitations. C'est un passant de produit? Non. Non. Okay. C'est nous qui l'avons commandé. Tu diras merci à Myriam. Ça fait plaisir. Wesh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Pur essentiel asseyant, purifiant. Ils ont mis un gel hydroalcoolique. Allô la manette? Regarde en dessous, bien en dessous du truc. Non. Allô la manette? Ils nous ont renaqué. Oh les enfoirés. Ils nous ont renaqué, ils ont mis un gel. T'as payé combien? On a 200. Payé. Mais c'est pas possible. Wallah, j'ai payé 200 euros. Mais comment on peut être une sale race comme ça? Euros. Plus de 200 euros. Oh, une sale race. C'est pas possible. Ils sont sans âme, pourquoi? Pourquoi ils font ça? Y'a plus de Covid, ça existe plus en plus. C'est une dinguerie. En vrai, appelle-les. Hein. On va appeler. Je vais les appeler, je vais les appeler. C'est quoi le numéro? Et t'as pas la facture? Si, si, y a la facture là-bas. Non, la facture, elle est là. Tiens, on met ça là-bas, je vais les appeler. Viens, Myriam, viens. C'est tard. Il va les appeler, viens, il va les appeler. Viens. Ok, il est en train de parler avec elle au téléphone. Viens, on va voir, viens, on va voir, viens, on va voir. Il est en train de parler avec elle. Passez-moi votre responsable, s'il vous plaît. J'attends, oui, j'attends. Aïe. On lui dit ou pas? Attends. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai commandé une manette chez vous à palette et avec plein d'accessoires. Mais à la place, j'ai reçu une boîte vide où à l'intérieur, il y avait un gel hydroalcoolique quasiment vide. Je comprends pas. C'est quoi le... Qu'est-ce qui s'est passé? Si, je vous assure que j'ai reçu ça, monsieur. Puis on le dit. Il y a la facture. Il y a aussi... Il y avait un gel hydroalcoolique sans manette. On le laisse. Allez, j'en ai marre, ils font que de me faire du sale toute la journée. C'est à mon tour cette fois-ci. Ça va bientôt être l'heure du ftor. Et là, vous savez qu'on. Oh, est-ce que vous vous rappelez les pranks? On enferme dehors quand il fait froid. Là, on enferme Younes et Myriam quand c'est l'heure de manger. On va voir leur réaction, c'est parti. C'est Myriam. C'est l'heure de manger dans 5 minutes là. Hein, hein? Vous rentrez pas? Vas-y. À rentrer? Tu veux rentrer? Ramène le dé. Ramène le dé. Celui qui fait 6, il rentre. Comment c'est pas vrai? Non mais celui qui fait 6, il rentre dans la box. Vas-y, fais 6. Si elle fait 6, vous rentrez tous les deux. Bah fais Myriam, viens. Viens vite, rentre. Younes, tu peux venir si tu veux. Qu'est-ce qu'on lui fait faire? Attends, je vais sortir dehors. Je vais lui dire à des filles dehors. Ouais, je vais sortir, je vais te libérer. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, t'inquiète. Par là-bas, je vais te laisser ouvrir. Non, me trahis pas, non, me trahis pas. T'inquiète. Va le voir et tu le fais sortir. Eh bah Myriam, je t'ai carotte. Il a dit, tu me dis quand c'est l'heure, il reste avec les tuyaux dans la bouche. Bon, moi la famille, en tout cas, je vais les laisser mariner un peu. Ils sont encore là, ces fous furieux. Bon, je vous laisse rentrer et on arrête les pranks pour aujourd'hui. Si t'es sûr? Ouais. T'es sûr? Ouais. Attends, fais plus ça. Dernier ftor de ce mois, oh, c'est passé ici. Super vite, hein, des trucs comme ça. Donc on a passé une superbe journée, on a trop bien rigolé. Moi, je vais me servir. Vas-y, sers-toi. Oui, tu peux filmer la table. Alors, on a des hamburgers, on a une quiche, on a de la salade meshouya. Non, je rigole, je sais pas ce que c'est. C'est des légumes mélangés ensemble. On a des dattes, de la soupe. Et pourquoi il n'y a que 3 hamburgers? Parce que là, dans ma famille, il y a moi, Myriam et mes parents. En fait, c'est parce que maman, elle en a pas fait un pour toi. Maman, c'est vrai, elle en a pas pour moi.
Allô, mon assiette du coup. Dans le micro-ondes. Okay. Là, je suis en train de faire du tapis, j'ai fait ma douche et tout, on va regarder. C'est pas moi qui l'a préparé, c'est pas moi. Des carottes, de la viande et des œufs. Et vous mangez des hamburgers? Ah, c'est la journée des 30, hein. Machallah. Mais c'est pas moi qui l'a préparé, hein. C'est pas moi et papa. Machallah, bah pendant qu'on y est. Il y en a qui n'ont pas à manger dans le monde, on peut pas se plaindre. Je vais manger du sucre. Mange du sucre pendant que tu y es. Allez, juste pour célébrer la fin du ramadan, dis bismillah avant. Bismillah. Oh là 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 là. On va quand même se servir un peu de soupe. En tout cas, la famille, j'espère que vous avez passé un beau ramadan avec nous. Ah, c'est ma place. On a passé un beau ramadan avec vous. Rien à dire, c'est passé hyper vite. J'espère que vous allez tous passer un bon vlog de live. Qu'est-ce que je raconte, un bon vlog de live? J'espère que vous allez tous passer une bonne journée de l'Aïd et nous on fera un vlog de l'Aïd, Inch'Allah. Voilà, t'as tout bien l'argent. Ouais. Mais ça, c'est ma place ici. Ciao, ciao, les gars.